Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maria José. Alors on est tous là réunis aujourd'hui, nous sommes Boliviens. Nous sommes des étudiants qui habitent en France et on s'est réunis aujourd'hui car il y a eu des élections présidentielles la semaine dernière dans notre pays et la personne qui était déclarée vainqueur, Evo Morales, malheureusement, pour nous, il s'agit d'un candidat illégitime. On se réunit aussi tout d'abord pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise et puis aussi pour dire qu'on est là pour supporter et pour montrer notre soutien à tous les Boliviens qui sont dans les rues en ce moment, qui luttent pour notre démocratie, qui luttent pour l'avenir de notre pays et aussi pour défendre le vote de toutes les personnes qui ont pu voter là-bas et à l'étranger aussi car on soupçonne une fraude électorale, on sait même que ce n'est pas un candidat légitime et on veut qu'on soit entendu, pas seulement en Bolivie, mais dans tout le monde. Ok, donc le message que vous voulez faire passer aux Français, c'est quoi exactement? Alors tout le monde pense que Evo Morales a été peut-être un des meilleurs présidents qu'a eu la Bolivie. C'est vrai, en ce moment, il a fait de bonnes choses, mais à partir du moment où il ne veut pas lâcher le pouvoir, où il fait des référendums qu'il ne respecte pas et... il n'entend pas le peuple, ce que le peuple veut dire. C'est à ce moment-là qu'il est devenu un dictateur. Il ne veut pas l'accepter. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on veut faire entendre notre voix. Donc le président actuel, il est corrompu? Il est corrompu, c'est un dictateur. C'est vraiment... il a pris des décisions sans écouter le peuple. Et une démocratie ne marche pas comme ça. Ok, donc vous voulez que le peuple bolivien se révolte? Et que la France et le monde... Le peuple bolivien se révolte déjà. Et nous, on est là pour les soutenir. Et on veut que tout le monde sache qu'on va pas permettre que ça continue comme ça. Evo Morales n'est pas notre président. Et donc, il y a d'autres manifestations dans d'autres villes? Dans d'autres villes. En ce moment, à Paris, il y en a une. Dans tout le monde, à Buenos Aires, il y a 30 villes en tout qui font partie de notre même groupe de manifestants. Ça s'appelle un cabildo, qui est dans la constitution de la Bolivie. Et c'est une forme de manifestation pour donner la souveraineté au peuple. C'est une manifestation pacifique et c'est juste pour faire entendre notre voix. Et donc il y a 30 villes qui sont organisées comme nous ce jour même. Et pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et en Amérique du Nord aussi. Et on veut tous la même chose, on veut soutenir le peuple bolivien qui est en ce moment dans les rues et dire qu'on n'est pas d'accord avec Evo Morales, président. Ok, bah j'espère que le message est passé, les gens vont regarder. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Que Bolivia! Que se rinde! Nadie se rinde! Que se casa! Nadie se casa!